Bloqué. Ah putain, je suis baisé, je repars dans l'autre sens. Ah, c'est un truc con, ça. Ah merde. Ah putain, je ne sais pas repartir. Là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour à deux tirs, putain? Ah, enlevez ça. Puis je pense que s'il a le bon parcours, on aurait gagné parce que pour finir, le gagnant ne me paraissait pas top comme ça. À moins que, bon voilà, peut-être que le jeu s'en est plein les mains, mais il me paraissait pas top. Ouais, et puis le tien a trouvé l'ouverture tardivement pour finir. Voilà, ouais. S'il fait peut-être tous les extérieurs en dernier tournant, peut-être qu'on a le temps de revenir inquiéter peut-être le premier, mais vraiment c'est un bon poulain, donc il prouve qu'il fait partie des meilleurs, et puis je pense que ça devrait faire. Cet hiver, c'est un espoir celui-là, il va courir, il va continuer de courir les bons. Ouais. Ouais, en plus, c'est un 4 sur le premier, donc on va peut-être gagner, mais. C'est pour les dents? Non, pas pour le poulain. Très bien. Pour la course là. Bah non, sur les chiffres du PMU. Bah ça, il fait ce qu'il veut. Ah oui, les éleveurs. C'est toi l'éleveur? Oui, il touche les PMU. Putain, il touche l'oseille de partout, les brats. Il a une vraie tête de reproducteur. Il est super calme et il est bien. J'ai dit tout à l'heure au boss, et voilà, très calme. Franck, une bonne troisième place. Patrick. Patrick, pardon, excuse-moi. Non, je blague. Une bonne troisième place. Une bonne troisième place, heureuse. Mis à part le prix d'Amérique avant, est-ce qu'il sera suivi dans une course en particulier? Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire qu'il doit avoir un programme, il a des mauvaises courses de temps en temps. Oui et non, c'est sûr que les B où il part en tête, il va partir en tête parce qu'il n'a pas un million, donc c'est des bons engagements pour nous, ça c'est sûr. Mais bon, ça reste quand même le dernier dimanche de janvier, le grand objectif. Là pour toi, elle fait sa valeur aujourd'hui, t'es à l'impôt. Je la trouve un peu molle. Ouais, je trouve au niveau poil, elle est plus belle que ça. Donc voilà, peut-être un tout petit peu défraîchi. Peut-être un travail un peu trop fort peut-être pour la course. Faut voir, enfin je sais pas, je dis ça, mais voilà, marché à mon 7, elle fait sa course. Et puis c'est de Hong, donc le soleil ne va pas nous embêter pour fin janvier. Janvier. Voilà. Thierry, c'est un véritable uppercut là qu'il leur a mis aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est un dur. Et Damien lui a donné un bon parcours. Je
pense pas qu'il a pris dur sur cette course-là. Et il a bien fini, impeccable. Damien, on peut dire que tu as monté une très jolie course. Je pense. Ils peuvent l'amener à l'école de Graigne et la montrer. Non, non, je suis fier de moi. À 2 heures. Suivez-nous sur à 2 heures. I'll see your eyes drowning in blues, out of control. What can I do? I'm addicted to you, to you, to you. Oh, I'm addicted to you. I don't know just how it happened. I let down my guard. Je disais, vous pouvez nous suivre sur @2turf, bien évidemment, en vous abonnant à la chaîne YouTube, Facebook et également sur Twitter, @YannA2Turf.